Et salut tout le monde, cette fois-ci je vais vous parler de Soulstone Survivors où vous devez survivre aux différentes vagues d'ennemis et de boss, améliorer votre personnage et tenter de finir les différents niveaux proposés par le jeu. Pour vous aider, vous allez bien sûr pouvoir débloquer de nombreuses classes, fabriquer de nouvelles armes, utiliser et débloquer les meilleures runes et bien sûr compléter votre arbre des passifs, un système très intéressant de customisation de personnages. Pour la partie jeu, à chaque fois que vous tuez des ennemis, vous récupérez de l'expérience et vous allez pouvoir ensuite choisir des nouveaux sorts, des passifs, etc. pour faire votre build. En plus de tout ça, le jeu propose des façons de jouer alternatives et est ultra complet pour un jeu en early access qui sortira en 2023. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait que je n'ai eu aucune baisse de FPS malgré le nombre d'ennemis et d'effets à l'écran, ainsi qu'on garde une bonne lisibilité, notamment sur les cartes de la fin qui sont bien remplies et très coriaces. Si vous cherchez donc un jeu très addictif pour passer plein de bons moments dessus, n'hésitez pas à jeter un œil à Soulstone Survivors.